une belle promenade? Je propose de refaire ça demain. Attendez les filles, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des boutons si on appuyait dessus. Non, ne touche pas, tu sais pas ce que font ces boutons. Mais justement, pour savoir. La porte s'est refermée, vous avez entendu ça? Amelka, tu crois que c'est tes parents qui ont éparpillé tous ces boutons? Non, ils sont sortis toute la journée. Ce qui veut dire que quelqu'un est entré dans la maison. Bienvenue dans mon jeu! Toutes les portes et les fenêtres sont fermées. Seuls 3 de ces boutons ouvriront la sortie. Alors c'est toi qui as fait tout ça? Donne-nous une bonne raison pourquoi nous ne devrions pas te monopoliser sur le champ. Parce que si j'appuie sur ce bouton, mon équipe de clowns lancera des tomates sur la maison. Oh non, pas ça! On dirait qu'on va devoir jouer le jeu. 3 boutons qui ouvrent la sortie? Et que font les autres? Les autres cachent des défis, des bonus et bien sûr, des punitions. Êtes-vous prêtes? Que le jeu commence! Je veux pas jouer à ton jeu! Je trouverai un moyen de sortir toute seule! Je casserai la fenêtre, s'il le faut! Avec cette chaise! N'y pense même pas! Qu'est-ce que mes parents diraient de ça? Ouais, on sera punis! On sera en punition pendant tout un mois! Et aucun bouton n'ouvrira la porte de celle-là! D'accord, essayons alors! Qui veut essayer en premier? Pourquoi moi? C'est toi qui veux sortir le plus vite, alors commence! C'est pas difficile! Très bien! Je vais appuyer sur un bouton, alors... Celui-ci... Défi! Tu dois jongler avec des œufs sans en casser un seul! Mila, allez, prends les œufs et réussis le défi! Je vais pas relever ce défi à la con! Je vais appuyer tous les boutons jusqu'à ce que je trouve celui qui ouvre la porte! Mais ça va pas, pourquoi tu ferais ça? Le clown va être fâché! Tu dois suivre les règles! Eh ben, je me fiche des règles, c'est pour ça! Si tu refuses d'accomplir le défi, tu seras puni! Allez, viens avec moi! Non, lâche-moi! Suis-moi! Non! Ah, les filles! De quelle punition tu penses qu'il s'agit? J'en ai aucune idée, mais j'espère que Mila nous reviendra saine et sauf. Allez, vas-y, sors de là! Qu'est-ce que tu m'en fais? C'est quoi ça? Je parie que si elle essaie d'enlever le casque, sa tête va exploser! T'es sérieuse? Non, je vais devoir m'asseoir comme ça jusqu'au prochain tour. Mais l'idée de faire exploser la tête est bonne, je vais la noter pour le prochain tour. Alors il vaut mieux faire les défis, je veux pas être punie moi. Mais si tu perds et tu n'accomplis pas un défi, tu seras quand même punie. Allez Amelka, c'est à ton tour, trouve le bon bouton. Je vais essayer celui-ci. Ton défi est de démonter un gros cube Lego en moins de 30 secondes. Ça a l'air facile, je vais réussir. Tu as 30 secondes à partir de maintenant. Allez Amelka, tu peux réussir, vas-y. Hourra! J'ai réussi, c'était pas si difficile. Voici ton prix. Quand tu sortiras de la maison, tu pourras échanger toutes tes pop-its contre un prix. Oh, si on faisait une compétition, qui peut collectionner le plus de pop-its? Bien sûr, puisque nous sommes piégés par des défis de toute façon. J'en ai déjà un. Maintenant, c'est à ton tour, Léona. Va appuyer sur un bouton. Une punition! Oh non, pas une punition! Bienvenue au club, Léona. Tu devras marcher dans ces pantoufles jusqu'au prochain tour. Mais c'est de la torture! Tu sais comment ça fait mal marcher sur un Lego! Mêlée ou t'auras une autre punition encore pire! Oh, très bien, d'accord! Aïe! 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 Enfin, je peux enlever ce casque stupide! C'est justement à ton tour d'appuyer sur le bouton. Peut-être que tu seras pas puni cette fois. J'espère que non! Défi! Hourra, j'ai un défi cette fois! Je vais définitivement réussir! Tu dois mettre des collants sur ta tête et avant cela, mettre des chaussettes dedans et faire tomber tous les objets de la table. Oh, quel défi, Mila! Ce sera pas facile, ça! Je viens d'enlever mon casque et voilà des collants sur ma tête cette fois! Mieux qu'une autre punition, tu trouves pas? Bien, je vais essayer de pas déchirer les collants. Allez, plus vite! J'y arrive pas! Ça y est, je crois que j'ai réussi! Maintenant, il faut seulement que je les enfile. Ils sont si lourds. Comment je les mets sur ma tête? Quoi? Voici des bouteilles d'eau. Tu dois faire tomber ces bouteilles avec tes collants. Aïe, aïe, aïe. Mais ça sera pas facile, ça. 1, 2. Oh, j'arrive pas à croire. J'ai réussi, les filles. Félicitations. Voici ton pop-it.
Je me demande contre quoi je pourrais l'échanger. Nous le découvrirons à la fin du défi. Maintenant, c'est au tour d'Amelka d'appuyer le bouton. J'ai une idée. Peut-être que le bouton de sortie est caché quelque part. En effet, s'il y a un bouton de sortie parmi les boutons, alors il doit être caché quelque part. Ça serait pas si évident. Ouais, comme ça, on le trouverait pas tout de suite. Alors, va le trouver. J'ai hâte d'enlever ces pantoufles, moi. Oh, je crois que j'ai trouvé. Bonus. C'est quoi le bonus? Si tu obtiens un bonus, ça veut dire que tu obtiens un pop-it gratuitement. Bravo. Cool, j'ai même pas eu à relever de défi. T'as qu'à chercher les boutons cachés, toi aussi. Oh, finalement, je peux enlever ces pantoufles. C'est l'horreur. C'est ton tour, Léona. Allez, choisis un bouton. Peut-être celui-ci. Oh, celui-là. Non, celui-là. Oh, je ne sais pas. Dépêche-toi, allez. Il y a un tas de boutons. Choisis. Non, c'est pas si simple. Amelka a raison, nous devons choisir les boutons cachés. Oh, j'en vois un ici. Je parie que c'est une sortie. Punition! Quoi? Encore une punition? Oh, tu te moques de moi! Pourquoi cacher un bouton de punition de la sorte? Qui sait ce qu'il y a dans la tête de ce clown? Et quel genre de punition je vais recevoir? Tu devras passer tout un tour dans une cage à singes. Oh là là, c'est l'horreur! C'est encore pire que les pantoufles Lego! C'est inconfortable! Amelka, comment tu fais pour avoir un singe à la maison? C'est pas à moi, c'est probablement ce clown ridicule qui l'a apporté. Quelqu'un a une banane? Peut-être qu'on lui donnera à manger et qu'il me laissera partir. J'ai avalé la dernière banane ce matin. C'est bon, t'as qu'à tenir le coup pour quelques minutes, Léona. Ouais, facile à dire pour toi. Allez, appuie sur un bouton pour qu'on passe cette ronde au plus vite. Ouais, après tout, moi je cherche pas longtemps et je choisis le premier qui se présente, pas comme vous. Celui-là! Bonus! Bravo, tu reçois un pop-it gratuit! Oh, merci! C'est donc moi la plus malchanceuse, hein? Maintenant que j'y pense, peut-être que tous les boutons rouges sont des punitions? Ouais, c'était un bouton rouge sur lequel j'avais appuyé, moi. Alors je vais essayer de choisir un bouton vert, c'est peut-être un bonus ou une sortie? Défi! Pas de chance, défi! La vraie malchance, c'est une punition, pas un défi! Mais si elle ne gagne pas, elle recevra tout de même une punition, Léona. Défi du savon. Donc, tous ces verres contiennent du savon et de l'eau, sauf un. Tu dois deviner lequel. Il est interdit de toucher avec les doigts. Tu parles d'un défi à relever. Moi, je choisirai une punition. C'est trop tôt pour abandonner. Tu peux facilement le découvrir avec l'odeur. J'y arrive pas. Les odeurs se mélangent et tous les verres sentent le savon. Il doit y avoir une autre solution. Utilise le bâton. Ah ouais, bonne idée. Ah ouais, celui-ci contient du savon. Ouais, celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Il reste donc celui-là, pas de savon. Bonne idée intelligente. Félicitations, voici ton pop-it. J'ai déjà 3 pop-it. Et moi 2. Et moi, j'en ai 0 et je suis dans une cage à singes. Mais c'est mon tour maintenant. J'ai hâte de sortir de cette cage. Oh, c'est l'horreur. Je crois que ce macaque avait une tonne de puces. Peut-être que lors de la prochaine punition, tu seras aspergé d'eau tout court. C'est certain. 2 punitions d'affilée. Je serais pas surprise que la 3e soit aussi une punition. Défi. Hourra, c'est pas une punition, ouais. Ta tâche consiste à mettre 4 Chupa Chups dans ta bouche et dire « pop it ». Oh, c'est facile, j'ai déjà fait ça avant, mais c'était avec des guimauves l'autre fois. Mais les guimauves sont molles, elles, et elles n'ont pas de bâtonnets. Les Chupa Chups sont plus difficiles. Tiens, pour toi. Allez, commence. Pop it. Pop it. Pop it. Pop it. Bien joué! Super, t'as réussi, Léona! Est-ce qu'elle a vraiment dit pop-it? Je suis pas sûre que j'ai bien entendu. Tu plaisantes, t'as qu'à revisionner la vidéo. D'accord, je te crois, tu peux prendre un pop-it. Ouais, c'est mon premier pop-it, enfin! Félicitations! Pourquoi t'es si heureuse? Ce pop-it n'est là que pour te distraire de l'objectif principal. C'est vrai, on doit trouver un moyen de sortir, pas collectionner les pop-it. C'est vrai, il faut réfléchir à l'endroit où le bouton de sortie pourrait être caché. Moi, je pense que le bouton de sortie se trouve à la porte. C'est ce qui fait le plus de sens, d'après moi. Oh, j'y crois pas, il est rouge! Peut-être que le clown veut nous le faire croire, mais en effet, c'est une issue. Appuie, c'est la seule façon de le découvrir, vas-y! Bon, très bien, je m'essaie!
punition. Je le savais. Quelle est ma punition cette fois-ci, hein? Ta punition est de la glace. Je vais te mettre ces morceaux de glace dans le cou et ça te remontera le moral. Pourrais-tu mettre un cube à la fois pour que ce soit pas trop froid, s'il te plaît? Ah, c'est froid! Ils vont finir par fondre, ça va. Avec ça. Ah non, je réussirai pas, c'est trop froid. Bon, on continue. C'est à moi de choisir un bouton maintenant. Défi. Ta tâche consiste à sauter à pieds joints jusqu'au récipient et prendre un pop-it, sauter en arrière. Plus de pop-it tu collectionnes, plus tu en auras et le mieux tu seras lorsque tu auras fini. 3, 2, 1, partez. Allez, MLK, allez. Tu y arriveras, allez, allez! Allez, il ne reste plus beaucoup de temps. 5 secondes, 4, 3, 2, 1! Ah, regarde combien de pop-it j'ai maintenant. J'espère que c'est suffisant pour le meilleur prix. Pour ma part, le prix ultime, c'est de trouver la sortie d'ici. Mais au moins, nous sommes à la maison, pas dans une cage. C'est déjà bien. Défi! Encore un défi? T'avais pas raison, Mila. Ta tâche consiste à attraper 10 crêpes sans les mains. Je vais les lancer. Quoi, sans les mains? Mais c'est ridicule. Tu peux essayer de les attraper avec ton visage? Ok, je suis prête. Lance-moi ça. En voici une. Ah, ça a touché tes mains. Lance plus haut, allez. Ah, pourquoi tu les lances sur moi? Lance-les plus haut, allez, plus haut. Ah, allez, Léona, allez, tu peux le faire. Ah, j'en ai une! Une autre. Ouais! Deux. Ouh. Ah. Trois. Pourquoi tu lances ça jusque là-bas? Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Je vais compter celle-là. Oh. Une dernière. Eh bien, je n'ai plus de crêpes. Je ne crois pas que la dernière comptait, désolée. Bien sûr qu'elle comptait, je l'ai attrapée avec mon visage. Les amis, moi j'ai compté 9 crêpes. Si vous avez aussi compté 9 crêpes, dites-le dans les commentaires et aimez cette vidéo. J'en aurais bien attrapé 100 si tu voulais, mais t'étais à court de crêpes. Pour chaque crêpe que tu as attrapée, tu ramasses un pop-it, d'accord? C'est pas assez, j'espérais en avoir plus. Bien, je me sens réchauffée, je suis prête à continuer. J'espère que je n'aurai pas une deuxième punition d'affilée. Évite un bouton rouge. Alors, je vais choisir celui-ci. Défi. Waouh, j'ai de la chance. Défi du casino. Ta tâche consiste à rouler de façon à ce que 3 icônes identiques tombent. Tu as 3 tentatives. Mais c'est de la chance à l'état pur. Presque rien ne dépend de moi. Allez, vas-y. Et je roule. Ah, pas de chance. Et une autre fois. D'accord, il me reste une dernière chance. Ah, c'est pas juste. T'as raté le défi, tu es puni. Je t'avais dit que c'était de la chance. Bien sûr que je suis puni, comment j'aurais pu gagner ça? Tu devras passer une ronde en entier avec du poisson puant autour du cou. Oh, c'est dégoûtant, on dirait qu'il est pourri. C'est bon, on te croit, t'approches pas de nous. Maintenant, ils veulent plus être mes amis. Peut-être que le clown sera mon nouvel ami. Non, j'aimerais mieux pas. Quoi? Maman clown ne veut pas se tenir à côté de moi? Allez, sois patiente, un tour et tu seras libre, c'est tout. Facile à dire pour toi, c'est pas tes vêtements qui sentiront le poisson pourri. Sois patiente, on va appuyer sur nos boutons et tu pourras enlever le poisson. Alors dépêche-toi, c'est dégoûtant cette odeur, je déteste. C'est à mon tour d'appuyer un bouton maintenant. Bonus. Oh non, bonus. Pourquoi t'es contrarié? C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Enfin, après la sortie, bien sûr. Le bonus ne donne qu'un pop-it, mais je peux en obtenir plus pendant un défi. Tu l'as entendu, clown?
ton jeu est moche, c'est ce qu'elle dit. Si tu continues à te plaindre, je mettrai des punitions sur tous les boutons et alors tu pourras plus sortir du tout, c'est ce que tu veux? D'accord, d'accord, on se calme. C'est à mon tour, de toute façon. Ouh, il y a un bouton là-haut. T'es sûr que tu peux l'atteindre? On dirait qu'il est très haut. C'est une blague, bien sûr que j'arrive à l'atteindre. Alors appuie dessus, qu'est-ce que tu fais? Sortie! Félicitations, t'as trouvé le bouton de la sortie. Tu peux sortir maintenant, mais seulement toi. Ouais, j'ai réussi! Je vais enfin pouvoir enlever cette horreur de mon cou, c'est dégoûtant. Tu nous abandonnes? Il y a deux autres boutons de sortie, je suis convaincue qu'on réussira à les trouver. Eh ben, bonne chance à vous deux, salut! N'oublie pas d'échanger tes pop-its contre des prix lorsque tu quitteras la maison. Alors je peux obtenir un iPhone 13 ou aider mes amis? Qu'est-ce que je vais choisir? C'est difficile comme choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai 10 pop-its. C'est suffisant que pour un seul prix. Désolé iPhone, mais je dois aider mes amis, on dirait. Au lieu d'un prix, votre ami a décidé de donner tous ses pop-its pour vous aider. Alors vous avez plus de chances de gagner maintenant. Léona a renoncé à un prix pour nous? J'arrive pas à croire, c'est ridicule. Mais comment elle va nous aider? En échange de ses pop-its, je vais vous dire sur quel bouton ne pas appuyer. N'appuyez pas sur les boutons rouges, il n'a pas de sortie parmi eux. Ah, je le savais! Merci Léona, nous allons trouver une sortie plus rapidement maintenant. C'est à toi de jouer, choisis un bouton. Faites en sorte que ce soit la sortie... Bonus! Ça pourrait être pire, un autre pop-it à ajouter à ma collection. Allez Amelka, c'est ton tour. Punition! Ouah, c'est ma première punition! Ton ami doit te faire une barbe avec de la mousse à raser, comme le Père Noël. Ça sera amusant. Et si j'échoue, hein? Alors tu seras puni, toi aussi. Défi et punition dans un? D'accord. J'ai pas d'autre choix que d'essayer, on dirait. Ok, Amelka, alors t'es prête? Alors, je devrais faire les sourcils aussi? C'est oui ou non, hein? Non. Non! Non? Non! D'accord. Souris, je vais prendre une photo pour immortaliser. C'est à mon tour de choisir un bouton. Punition! Une autre punition? Ta punition, c'est 10 pinces à linge sur le bras. Essaie de supporter ça. Bon, on commence. Ça fait pas mal du tout. Ta punition n'est rien du tout. Vraiment? Alors je vais te donner une autre punition si c'est ce que tu veux. Mila, fais semblant que ça fait mal! Aïe, 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 arrête, ça fait très mal! Ah! Non! Ah! Non! Je crois que mon doigt va craquer. Ah! Ok, je ne plaisante plus maintenant, ça fait vraiment mal! C'est tellement douloureux! C'est fait! Défi! Défi, c'est le temps de gagner des pop-its! Ta tâche consiste à ne pas laisser tomber le ballon en 20 secondes, d'accord? Aussi, il est interdit d'utiliser les mains. Alors, t'es prête? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Un autre pop-it ajouté à ma collection, super! Je crois que je vais choisir celui-ci. Défi! Un autre défi? Ton défi a à voir avec des pâtes alimentaires. Tu dois enrouler les pâtes sur ce long bâton ici. Et le bâton doit être tenu avec ta bouche. Allez. Bon, je vais commencer, je crois. D'accord, Mila, tu n'as pas réussi à relever le défi. Ta punition est une barbe en mousse. Allez, Amelka. C'est fait? Ouais, c'est dans mon nez. Punition! Une autre punition? Enveloppe-toi dans du papier hygiénique. Thank you.
dépêche-toi! C'est fait! Mila, appuie sur le bouton pour que je me débarrasse de cette punition à la noix! Attends, j'essaie de trouver quel bouton pourrait être la sortie, finalement! Le bouton de Léona était caché en hauteur! Et si t'essayais de trouver un autre bouton qui était haut aussi, peut-être que ce serait la sortie? Il n'y a pas de bouton ici... Oh, te voilà! Défi! Je voulais un bonus ou une issue de secours. Tu dois t'asseoir sur les œufs et les écraser avec tes fesses. Quoi? C'est pas un défi, c'est une punition, ça! Si tu ne réussis pas à tous les craquer, là, tu recevras une véritable punition. Je peux au moins changer mes pantalons. Bon, quand il faut, il faut. Maintenant, Mila, tu peux aller enfiler un pantalon de rechange. C'est mon tour, j'appuie sur celui-ci. Défi. Défi. Ta tâche consiste à réaliser ce puzzle en 45 secondes. Allez, Amelka. Bravo. Hourra. Il y a tellement de boutons différents. Où le clown a-t-il pu cacher cette sortie? Punition. Mais j'ai rien appuyé! Lève-toi et regarde attentivement! Oh, t'as fait exprès pour le mettre là! Bien sûr, je savais que tôt ou tard, quelqu'un voudrait s'asseoir sur cette chaise, alors j'ai mis un bouton là! Et quel genre de punition m'attend cette fois-ci, hein, monsieur clown? La punition, c'est de la crème fouettée! Oh non! T'es prête? On pourrait compter? 3, 2, 1... C'est pas juste, t'as même pas compté correctement! T'as jamais entendu dire qu'il faut jamais faire confiance à un clown? Bonus! Ça fait longtemps que j'en ai pas eu un, moi! Bah t'as eu de la chance, voilà un autre pop-it! J'ai pas eu le temps de faire une pause dans cette punition car la deuxième m'attend maintenant, c'est pas juste! Je déteste ce jeu! Sortie! Oh ah oui! Enfin la sortie, j'arrive pas à croire que je l'ai finalement trouvée! Bien, dépêche-toi, la porte ne sera ouverte que pour 30 secondes! Oh, Amelka, je vais utiliser mes pop-its pour t'aider à sortir d'ici plus vite, d'accord? L'iPhone 13, c'est mon rêve, mais j'ai promis d'aider Amelka. Mais non, il ne reste plus beaucoup de boutons. J'ai choisi le iPhone. Hein? Quoi? C'est pas le iPhone 13, mais le iPhone 11. Ouvrons-le pour voir. Ah, ce clown m'a piégé! Oh, je suis désolée, Amelka. On dirait que Mila a changé d'avis pour ce qui est de t'aider. Elle a échangé tous ses pop-its contre un prix. C'est bon, je trouverai la sortie. Défi. Allez, c'est quoi ce défi? Je suis prête. D'accord, ta tâche consiste à souffler toutes ces bougies en une seule inspiration. Et si tu réussis, tu recevras un pop-it supplémentaire. Pas de chance, t'as échoué. Prépare-toi à recevoir la meilleure punition. Un bain de tomates. Un bain de tomates? Mais c'est quoi? Je vais verser du concentré de tomates froid partout sur ta tête. Non, c'est dégoûtant! Viens ici, ne me force pas à te courir après! Non, tu vas trop loin maintenant! Arrête ou je vais vraiment te punir si tu continues! Elle est où cette foutue sortie? Sortie! Ouais, ça a marché, je peux sortir! C'est pas juste, tu triches! Les amis, je suis libre! Si vous avez aimé notre